Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je dis à Napé recevoir sur plateau émission interview une délégation de RAMIF qui c'est une organisation qui a fait plaidoyer et supporter surtout monde qui a vivent avec un handicap. Et pendant la semaine ça, c'est une activité, un plaidoyer pour permettre de gagner une éducation surtout qui fait pour en faveur monde ça plus inclure dans le système éducatif là. Avec nous deux représentants de RAMIF, et madame Madeleine. Merci pour la disponibilité à plateau et Michel Interview. Bonjour, bonsoir Vincent, bonjour, bonsoir à tout le monde, à tout auditeur, auditrice et téléspectateur, téléspectatrice de l'émission Interview. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour me capable là dans l'émission ça, parce que RANIF, qui c'est Réseau Associatif pour l'intégration des personnes handicapées, c'est un plaisir pour lui participer dans l'émission ça là nous connaît que non seulement qui écoute qui gagne et puis comment que vraiment nous obliger à aller vers question inclusion et comment que rôle ou même en tant que la presse capable de nous aider nous en sens et nous gagnons monsieur Saül n'a dit et merci pour disponibilité lui et pour participation également dans l'émission interview. Oui, bonsoir monsieur Vincent, bonsoir et bonjour à tous les visiteurs Pacifique, Télé-Pacifique, nous là, nous essayons de présenter RANIF et nous là pour notre travail, pour nous parler, pour faire tout le monde comprendre la question éducation inclusive là, comment lier et comment pour nous handicapés, tu dois participer, intégrer dans le système éducatif là. On nous voit rapidement qui ça RANIF, qui ça lié, qui travaille la fête depuis combien de temps, les souterrains. RANIF, son réseau, Jean Kenon dit, c'est réseau associatif pour l'intégration des personnes handicapées. Son réseau qui formé de plus de 64 associations et institutions qui travaillent dans la question du handicap. Il est créé depuis en 2001 et puis tout, il travaille dans la question loi, surtout même loi sur l'intégration des handicapés. RANIF est capable d'être initiateur loi ça et qui était voté en 2012. Il travaille en pile tout dans la question plaidoyer déjà pour l'État haïtien est capable de ratifier la convention relative aux droits des personnes handicapées. Et puis maintenant, je suis capable de dire seulement pour me capable juste rectifier, ce n'est pas seulement une semaine, c'est plusieurs années que RANIF Gagné a fait plaidoyer dans la question éducation. Non, mais semaine ça, nous mettez plus booster. Plus booster, et puis je pense que son bagage de manière continuelle, dès que nous avons une occasion pour nous rappeler ça, pour nous participer à ça, parce que nous connaissons que son lutte et son combat. Et chaque jour, nous obligés de continuer. En tout, regardez qui ça lie directement. Mon cap suivre là, qui ça le parler de éducation inclusive, de qui ça veut parler. Pour parler de éducation inclusive, c'est comment ou capable un système côté que qui tient compte de particularités tout le monde. Tout le monde différent, tout petit monde différent. Et comment pour faire en sorte que, parce que nous avons un système d'éducation que nous sommes capables de relier un système éducatif qui est classique, côté que il pas tient compte de tout le monde qui pas dans norme non norme non système non construit pour un petit monde qui moyen des gros hors du norme sont un petit monde qui ont développement plus rapide ou moins rapide ou bien qui ont déficience les en dehors du norme. RANIF yon éducation inclusive son éducation qui permet côté que ou tient compte de toute particularité ça yo dans cadre d'apprentissage dans cadre bâtiment scolaire et peu tout système non qui permet que tout petit monde ait accès pour aller rentrer l'école. Nous pouvons mettre l'accent sur tout le monde, mais des adultes, des écoles professionnelles, et même l'autre monde qui voulait continuer en études, mais ou un handicap quelconque, soit vous faites avec lui ou bien chemin faisant, ça arrive, nous pas tout intéressé avec. Non. L'aime dit tout le monde, parce que normalement, l'on parle de l'école, déjà, nous mettons dans la tête nous, dès que tout le monde en fait, il faut qu'il y ait l'école. Et pour gagner accès à l'école, il faut que nous ayons un système qui permette ça. Et puis tout, si que l'école permet qui ça? Permettre une inclusion. Pour que ça, d'ailleurs, nous pensons qu'il faut commencer par l'école. Parce que l'éducation, c'est lui-même qui vous permet que si on a parlé d'inclusion dans la question sociale, vous le faites. Si que déjà, à faute l'école fait pour lui, ou bien vous mettez long l'école quand vous mettez à pas, comment vous le faire capable d'avoir accès? Mais question tout au long de la vie, hein, déjà sous gardé dans le cadre de la déclaration Incheon dans Corée du Sud en 2015, vous parlez de cette question de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est pour me faire comprendre que c'est pas parce que RANIF pense que c'est le timoun, mais déjà faut commencer à timoun et moun qui jeune actuellement yo faut regarder comment
est-ce que même les que dans stade côté que qui t'ont quitté l'âge l'école, est-ce que ces questions y ont alphabétisation que pas tenu compte de mon handicapé dans cadre d'alphabétisation, est-ce que tout ces questions formation professionnelle et tout les petits monde dans final l'école, les fin fait philosophie, les gain bac li, faut qu'il capable entrer dans université, après ça faut capable travailler. C'est l'aile travail là capable gagner autonomie et capable là participer dans développement pays à tant que tout le monde. Ben mal ouais avec Saül qui situation monde qui vivre avec un handicapé quelconque qui est dans pays à surtout sur plan éducation. Non, auparavant, sur le plan éducation, si mon handicapé jusqu'à présent, c'est une lutte qui est liée. On lutte jusqu'à présent et grand pile de monde qui pas à l'école, qui pas une chance à l'école. Si tu es dans la ville provinciale, mais si tu es à l'école, continue d'étudier, il faut que tu aies une porte au prince. Mais nous-mêmes, nous venons à la question éducation spéciale là. Si tu es dans l'école spéciale, c'est ça qui crée un pile problème. Mais nous avons fait un plaidoyer sur question éducation inclusive là que Timuna et même j'ai tout l'autre monde même ceux qui ont déficience qui quand dans l'école la ville côté la vivre là sans difficulté et pour ça fait il faut que le ministère de l'éducation nationale implique la donne pour mettre des matériels adaptés pour faire l'école yo la norme yo. Oui la norme yo d'être fait il y a des que gain accès pour Timuna qui a fréquenté l'école là sans difficulté pour faciliter que tout le monde dans 10 départements j'ai une chance à l'école même j'ai tout le monde. Mais ben moi je te pose une question rapidement, il y a divers types d'handicap. Est-ce que la plaidoyer a fait en faveur au monde qui a un handicap physique ou bien n'importe tout handicap est inclus parce que c'est pour si me répéter parole directement, c'est pour l'école a fait pour tout le monde qui donc un monde qui gagne toute mobilité li tout système ni fonctionner, est-ce que le cas est le même rythme avec un monde qui gagne un handicap quelconque? Très bien, et ça qui arrive même j'ai même petit monde qui pas de déficience là pas apprendre, même j'ai chaque apprendre un rythme, il apprend chaque gain quotient intellectuel et je coûte intellectuel pas même gens, il y a différent. La vie si tout va être même gens, la vie va bien différent, ça donne pas tout va être facile, mais c'est de même tout petit monde handicapé est capable d'apprendre et sans difficulté même genre petit monde, mais ça qui arrive tout gain quelque qui pas apprendre même genre en l'autre. Mais ça va pour autant que pour pas intégrer, pour l'avoir inclus dans le système éducatif là. Et gain petit monde qui gain des déficiences qui a besoin d'une éducation spéciale. Mais ce n'est pas tout. Mais le petit monde qui a des déficiences motrices et visuelles et sensorielles, etc., qui est capable d'intégrer, est capable d'inclure dans le système sans difficulté, c'est seulement besoin d'accompagnement. Que pour capable aider, pour faciliter et comprendre et joindre. Intégrer. Faciliter pour comprendre. Et si tu sou yo gagne t'a besoin langage des signes, t'a besoin interprète, etc., pour aider yo, faciliter yo, pour capable intégrer dans le système là sans difficulté. Moi je tourne sur Madeleine et par contre sur un commentaire sur question oui, ça que spécialisé avec inclusif. Oui, c'est ça me t'appelle dit, c'est que normalement pour que ça dit plus ou moins une éducation inclusive, pour que ça nous voulons sortir dans question spéciale là, parce que l'on prend un petit monde déjà. Nous connaissons toute discrimination qui gagne envers mon handicapé. Mais il faut connaître son culture, son éducation. Déjà, nous ne voyons pas. Nous disons qu'il faut qu'on l'école pour continuer. Nous prenons le météo à pas. Est-ce que là, nous sommes capables d'inclure après? Parce que le rôle de l'école, il faut mon nom pour être capable de gagner autonomie et participer au développement pays. Déjà, son premier aspect. Et question éducation inclusive, là, ça qui gagne la donne comme avantage, c'est que l'éducation inclusive suppose tout une éducation de qualité. Et les que nous avons parlé de système éducatif là, qui suppose un système qui est inclusif, déjà, il y a un piloteur qui écrit que le système éducatif haïtien même son système qui est exclusif. Côté que nous avons un taux de redoublement qui est élevé, un taux d'échec scolaire qui est très élevé et d'abandon scolaire qui est très élevé. Si mon handicapé est même exclu net dans le système là. Mais pour qui ça tout bas ça? Ça fait nous rendre compte que le système n'a pas les mêmes problèmes. Et en éducation inclusive, aller vers une éducation inclusive, c'est comment se poser problème ça yo, et pour nous comprendre que problème ça yo, c'est parce que nous avons un système côté que nous tenons compte de tout le monde qui est moyen. Mais tout le monde qui n'est pas moyen, yo, nous excluons.
Le système éducatif inclusif, une éducation inclusive, supposait que nous mettions des mesures en place, ministère après les mesures en place, non seulement pour que pour former professeur, pour le comprendre que lorsqu'on classe les vents, tout le monde est différent. Et par rapport à la différence, il faut qu'on soit capable de tenir compte de la différence là, pour capable être tout le monde dans lui-même, dans l'unicité, dans la particularité. Mais le rythme d'apprentissage là, est-ce que nous parlons de tout le monde a un rythme d'apprentissage différent. C'est même gens ça collègue à se dire. Parce que tout le monde différent, rythme d'apprentissage toujours différent. Même gens ou ka jeune petit monde, même les gen ou te pas trop d'accord avec elle, ou jeune des petit monde qui très très intelligent. Petit monde ça retour, c'est petit monde en Haïti qui exclu, est surdoué. Ou bien encore nous perdu. Parce que système n'a pas permettre évoluer. Gen un petit monde tout qui gon rythme qui moins rapide que l'autre. C'est ça que parfois tout comme un petit monde qui a une déficience et parfois déficience intellectuelle qui dans catégorie petit monde ça. Qui donc inclusion ça qui gagne des troubles ou encore des difficultés d'apprentissage. C'est l'âme d'avoir les. En fait c'est est-ce que c'est système là ou bien c'est au sein de salle de classe yo, pour inclusion en fait. Mais pour inclusion en fait au sein de salle de classe yo, faut système là dans lui-même permettre ça. Faut que le ministère de l'Éducation nationale commence à voir qui j'ai l'école que je veux. On l'école pour tout petit monde, supposé qui ça. Il suppose déjà que l'espace physique là, permet que tout petit monde entre là-dedans. Mm-hmm. Ça, c'est parti ça. Il suppose tout, professeur, comment pour travailler avec tout petit monde. La question formation. Il suppose tout petit monde a aptitude, façon pour l'apprendre. Jean collègue ça il nous dit là gè ti moun ki besoin braille gè un ti moun ki besoin plume donc on ka mete yo nan même salle mais c'est juste que et ça il réagit on regarde et sa collègue là se dit là et ti moun yo gon exclusion qui fait dans système éducatif là même pour ti moun handicap on dit auparavant Saint Vincent est arrivé là retour philo mais ti moun handicap visuel là pas j'ai chance à la baccalauréat. Le raison c'est parce que yo te dit nan ki j'en va le faire pour intégrer et là pour participer à l'examen baccalauréat. Ça t'est venu arriver que depuis avec l'arrivée là bon li capé là. Mais dans l'année 2014 non l'année 2014 t'as pas avec le doigt et monsieur Michel Payan que nous ça dit courage lui goumé qui pour le créer casas qui pour le goumé faut avec intégrer dans le système éducatif, surtout dans le baccalauréat, pour continuer à étudier. Et puis, le plaidoyer va le faire toujours, malgré que les gens qui terminent l'étude, avec, ils ne veulent pas accepter dans l'université. Monsieur Goumetou, pour faire intégrer dans l'université. C'est la même année, ça, en 2018, en 2017-2018, là, nous avons 8 sous qui réussissent à arriver dans le baccalauréat et qui, tous les 8 à le baccalauréat pour la première fois en Haïti. Qui connaît malentendant aller mais pas de sous mais yo arrivé yo atteint objectif là vraiment mais actuellement là yo à l'université kounya gon travail c'est résultat et bataille yo mais ce résultat bataille groupement ranif yo et groupement ranif l'a fait pour système là commence à changer mais nous même tout n'a fait plaidoyer que nous goumé c'est vrai mais faut que l'état impliqué faut que l'état prend responsabilité dans main. Mais le secrétaire d'État, oui, qui concerne et vous affaires. Mais le secrétaire d'État, il a pour mission qui vous fait et plaidoyer sur l'intégration, lutter, faire le gouvernement, faire intégrer les handicapés et dans tout système. Et travail, éducation, etc. Mais le ministère de l'Éducation nationale a pour mission et travail, c'est mission, il dit qu'il y a une éducation pour tous et il faut que tout le monde apprenne à lire et écrire. Faut que tout le monde intégré, mais jusqu'à présent, il n'y a pas que j'aime vous intégrer. Non, écrit directement sous position non, ou bien nous initier des démarches pour nous rencontrer avec les ministres là pour nous débattre de ça. Moi, je voulais ajouter un bagage dans ce sens, c'est que, mais ça lié, vous comprendre, c'est que il ne s'agit pas, parce que quand même, comprendre que le ministère de l'Éducation nationale franchit un pile pas. Parce que même ça a eu le jour qui fait dans des plaidoyers qui fait RANIF et d'autres organisations qui travaillent dans ce secteur là qui permettent que ça arrive là, que nous jouons un résultat, ça ou pas ça ou franchi. Mais les
ministère ba en pile bourade des fois en pile pas quand même il fait petit pas mais c'est ça que fait m'a dit petit pas mais c'est que non seulement ce sont des activités qui fait seulement à Port-au-Prince et parfois tout il pas rentrer dans un cadre un système côté que on connaît que rentrer dans cadre de capable dire politique publique côté que vraiment c'est gouvernement qui connaît ça parfois c'est toujours une bataille pour que pour sa fête et le fait non seulement dans Port-au-Prince quand ça cadre là ça qu'arrivé dans Port-au-Prince là un petit monde qui ont problème comme ça les ont déficience quelconque l'école là pas voulait recevoir il y a une organisation qui mal à l'école là qui dit l'a pas accompagné le ministère de l'éducation nationale dit l'a fait ça parce que y a une structure qui travaille dans ça mais c'est seulement à Port-au-Prince parfois tout chaque fois qu'a présenté vu que son système n'a pas permettre vraiment intégration ou inclusion timonio professeur pas formé pas de matériel adapté et puis tout problème qui gagne avec des capable dit bâtiment scolaire tout qui très pas adapté ça fait que c'est parfois c'est comme si soit pas pitié soit pas vraiment monde dans les mêmes personnalités sensibilité personnelle mais pas montrer que c'est parfois pas senti que même c'est yo comprendre que son droit monde n'a gagné. Eh ben goumen pour plaidoyer pour faire ça c'est mesure qui ca permettre que ou gagne pression là on ti monde fait déjà s'il gon déficience ça ca permettre que gon l'école li ca aller dans l'école li te mettre en province li ca gon l'école qui accueille. OK. Et non seulement ça tout population lui-même li comprendre que c'est pas une malédiction c'est un état certes qui dure vraiment mais que moun nan pas fini pour ça, li pas suspendre moun parce que li gon déficience. C'est-à-dire c'est pour question hein, devenu un bagage étatique. Voilà. C'est ça qui a porté bâclé. Voilà. Eh ben merci en pile et dommage débat qui a continué et chercher de aller et plus loin mais le a fait nos défauts. Merci m'inspirer pas tout bagage dit mais quand même et message a commencé passer et moun qui est intéressé avec Rani, faut contacter nous, bah connait c'est nous on peut de contact au bureau et pour moun qui est intéressé avec. Oui, il y a un bureau qui est dans le deuxième Riel Jérémy. Et puis, il y a un bureau Ranif pour téléphone. Mon nom a toujours été moins tôt parce que je n'ai pas un téléphone dans la tête, moi, dans le téléphone Ranif. Même si je n'ai pas un numéro spécialement parce que je travaille dans Ranif comme coordonnateur d'activité. Et c'est 49-48-29. Mon nom est capable de relayer, il a écrit un message WhatsApp et puis nous sommes capables de rencontrer. Merci à Robinson, merci à toute l'équipe de Radio Télé Pacifique, merci spécialement à l'émission Interview qui t'a accueilli aujourd'hui. Oui, nous connaissons son bataille, c'est déjà assez, nous remercions parce que nous sommes là aujourd'hui. Nous espérons avoir une chance de venir et puis tout, qu'on capable de parler de plus de questions d'éducation inclusive en Haïti. Merci tout le monde, rendez-vous pour notre émission Interview, toujours sur Télévision Pacifique.